Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Après la police, te fin mette en bas code, ancien sénateur Nenel Kassi, dans Miragouane, nous songez jou ça. Eh bien, après ça, t'as pas le joint libération. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui sorti journée aujourd'hui, c'est que DCPJ invite-t-elle pour venir répondre avec quelques questions. En pile monde a fait intervention pour dire non qui ça sénateur à lui-même les complices. Mais nous connaissons un proverbe créole qui dit la fumée pas jambe levée sans diffé. Est-ce que c'est pas dans un bagage louche que ancien sénateur ça lui-même l'y impliqué? Rapidement, met André Michel t'apprend le sorti un tweet pour le faire connaître. D'après information, secteur démocratique et populaire a vérifié, Jovenel Moïse a fait en pile pression sous des CPJ pour arrêter sénateur Nenel Kassi avant dimanche 28 février qu'a venu là. Secteur démocratique et populaire a continué bataille pour respect constitution pour casser système pesé sous CA. Met André Michel, des CPJ c'est pour qui est-ce? C'est pour la justice ou bien c'est pour Jovenel Moïse. Mesdames, mademoiselles et messieurs, on prend le bon détail, oui. Ton, l'autre information qui est très très importante. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est que l'État haïtien mande l'État dominicain pressé pour le voyer Youri Chevry tourner Bali pour être capable de passer l'audition dans DCPJ pour venir répondre à la question de la justice de ça que yon accusé là. Pas oublier, yon te lagé yon avis de recherche derrière ancien magistrat Port-au-Prince, Youri Chevry, côté yon accusé de assassinat, tentative assassinat, destruction bien privé, ak bien l'État, association malfectée, gen causé dans la République. Rale tiches ba ou chita confortablement, fou kopral bon information yon, nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci tout pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci tout parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Alors, ses amis, Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, maintenant là, nous te baouillons une petite devinette qui était assez intéressant, qui c'est, papa m'allait dans le marché, l'acheter une tête bœuf ou tête déconnant seulement. En pile, moun te réagi et en pile, moun joue une réponse ça. Ça fait plaisir, en pile, eh bien, c'était Piqua. Donc, nous connaissons Piqua, les mêmes, les gars, des branches, une devant, une derrière. Donc, eh bien, c'est ça que fait papa m'allait dans le marché, lui-même, lui acheter une tête bœuf ou tête déconnant seulement, eh bien, lui signifie Piqua. Donc, bravo avec tout le monde qui te joue une réponse là et ou même tout qui pas de joindre, moi, espérer ou apprendre de compte ça yo et ou joine en pile réponse et la ka ou tout ka essayer tirer ensemble avec ancien grand moun yo comme ça nous capable jouer la vie nous chasser stress pi bien. Et bien avant que nous entrer dans journal pour jodia, mes comptes wap gagner pour aller chercher éléments de réponse. Papa m'gagne un petit cheval, lisselé en haut, selé en bas. Papa m'gagne un petit cheval, lisselé en haut, lisselé en bas. Pas hésiter quitter éléments de réponse pour là, ça a fait nous plaisir en pile en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, DCPJ bel et bien voyé invitation by ancien sénateur Nenel Kassi pour lui répondre une question semble rejoindre plusieurs bagailles qui passaient en dedans pays à pour bien dire Zak malhonnête, eh bien, mes sénateurs a trempé là-dedans. Eh bien, nous songez ça qui t'est passé dernièrement là dans Delma 40B. Donc, côté au téfin ouvert à tous sur un citoyen, et puis après ça, dans le même moment, et puis, sénateur lui-même lui fait connaître, qu'elle t'a sorti dans une réunion, qu'un ancien magistrat, Port-au-Prince, dans Youri Chevry, qui prend la poudre des scampettes, et puis c'est pendant l'a sorti, et puis il ouvert à tous sous lui, et puis machine n'en prend 6 balles, et même quand elle dit au crible les machines, elle dit au crible, et go vite qui saute tombé, qui gagne un monde blessé. Elle a regardé diagnostic et machine, et bien c'est 6 trous où elle a dedans. Et non seulement ça, tout pas, go, ken vite qui tombe. Qui ça pour nous quoi là, sénateur Nenel Kassi?
Bon, jusqu'à présent, bagay la onti jan louche. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, en pile pression commence à faire dans la rue pour dire, eh bien, c'est président Jovenel Moïse, lui-même qui tout nos persécutions pour monsieur, pour que lui mette yo en barcode. Mais, question qu'a posé Kounia, est-ce que la justice lui-même li lié ensemble avec président Jovenel Moïse? Parce que DCPJ, c'est une institution qui, pour tout pays, qui parle pour yon gouvernement. Donc, Kounia là, ça qu'a passé en dedans pays, personne pas qu'à comprendre. Est-ce que depuis la justice relaye au monde, eh bien, c'est persécution politique? Eh bien, soufinera les amours ou yon moun, ou bien, ou participe non bak, paquet bagay louche en dedans pays, ya. Jou de CPJ fait appel ensemble avec ou, eh bien, go équipe moun qui déjà campé pour yon dou, c'est persécution. Mais, li pas ka persécution, mais au contraire, pour prouver le pas persécution, c'est pour aller, pour aller tende ki sa yon abdou, pour est-ce que son bagay ou fait vrai, ou bien si c'est un bagay ou pas fait vrai, parce que, le yon relou, par contre, pour qui ça, ça que dou, c'est pas une information yon apmando. Mais de toute façon, pas Borisit, nous tellement qu'on ça n'a fait. Et ceci, nous connaissons, petit proverbe créole l'a dit le clair, la fumée pas qu'on lève sans diffé. De pour que la fumée qu'a monté quelque part, c'est que gon diffé pété quand même. En ce sens, qu'on y a là, la fumée ça qu'a monté. Sous ancien sénateur Nenel Kassi, est-ce qu'elle pas de passer on alimette quelque part? Est-ce que pas gon boucan di fait le télimé quelque part qu'on y a là, ti la fumée a sauté dans ti joint potio? Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, vous invitez le nan jou cap 28 février à là, pour que li al DCPJ pour la répondre question la justice. Qu'on y a là, mesdames, mademoiselles et messieurs, en entre dans dossier Youri Chevrier. Mais jusqu'à présent, m'a annoncé demain, ce sera l'anniversaire de Foucault! Ah, déjà, nous tous invités pour venir participer dans l'anniversaire Foucault. Pas oublier, machin cadeau, parce que nous pas prendre mon cadeau. Donc, et pas oublier tout, ou capable de texte nous sous numéro, ça ou abjouer dans la description vidéo pour souhaiter nous happy birthday. Si toutefois, tout a gagné cadeau pour Foucault, pas hésiter à contacter nous pour que nous capables de recevoir cadeau ça, yo. Ça a fait nous plaisir en pile en pile. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dossier ancien magistrat Youri Chevrier. Et puis malgré tout ça qu'a fait, malgré tout détiré qu'a fait dans dossier ancien magistrat ça, nous connaît RNDDH lui-même qui responsable droit moun dans pays d'Haïti, t'a écrit une lettre voyée by chancelier dominicain pour faire le connait pour pas voyer Youri retourner en Haïti puisque c'est persécution politique. Mais en tant que droit moun, ou tendez sous qui va les bagailles que yo reprocher moun, mais m'pense c'est plus information t'ap cherché gagner pour dire oh assassinat, tentative assassinat, association malfaiteur, mais m'pense c'est ça yo qui t'ap intéressé pour fouiller zone en Kalalou pour connait est-ce que moun ça fait yo vrai, parce que ou là pour protéger moun et non seulement ça tout, si la justice fait appel ensemble avec moun, faut qu'ou capable camper pour connait ça que yo dia s'il fait le tout bon vrai, il doit gagner peine puisque c'est doyen l'autre li te violé, et s'il pas fait le vrai tout, faut capable camper. Mais là quand pour seulement voler tout dit bloqué, c'est persécution politique. Eh bien sûrement doit pas gagner organisation doit moun en Haïti, des parti politique doit moun dans pays d'Haïti. Li aussi clair. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, vu avec tout détail qui t'a circulé sous réseau social, yo fait quoi que Dominicain t'es entré dans le pays d'Haïti pour bien dire soldat Dominicain t'es entré dans le pays d'Haïti pour venir chercher des Dominicains qui t'es dans tournage, yon film kidnapping, on dirait bagarre là passé pour de bon. Et vrai, pas la gueule passé. Film n'a gueule plus bien monté. Donc, en ce sens, oui, soldat Dominicain t'es débarqué, mais l'État haïtien lui-même, nous pas besoin et bay tête nos problèmes pour ça. M'a géré affaire. M'a besoin qui tout. Ça va. Merci pour aide. Eh bien, on t'a offri aide la vraie. L'État dominicain t'a offri aide la vraie. Mais on t'a refusé. On t'a dit non. Y'a pas qu'on besoin. Donc, on quitte ça là pour le pas faire. Quitte me gérer petit bagay là pour contre moi en attendant. Eh bien, dans sans ça, l'État dominicain a gagné bon gens relation ensemble avec l'État haïtien. Eh bien, y'a mandé. Yo mande l'État dominicain pour le voyer Youri tourner Bali pour que de ça la justice te reproche là pour le venir répondre formellement. Donc en ce sens qu'on y a qui ça organisation droit moun yo pral di. Et ceci nous songe te gagné yon policier que yo te arrêté qui participait dans Zak Fantôme 609 t'a fait sur route Delma depuis yon bel bout de temps. Donc, est-ce que c'est pas même dossier ça qui fait yo interpeller ancien sénateur Nenel Kassi pour venir répondre question la justice? De toute façon, restez connecté puisque cause yo pas
piti. Et ceci, gros paquet nèg, yo pral mete en bakod. C'est pas persécution politique, mais, les que ou utilisez un paquet moyen pour détruire bien moun, pour détruire l'État, pour faire montrer force politique ou, pour mettre, pour simer la trouble en dedans pays, eh bien, jou va vanter. Tout moun apwe bouda pou la et tout moun apwe ou en batab moua et ceci pap kage de l'eau pou lave ou. On dit que cette décision de la justice pas gen pou être directement avec lui-même, sinon avec sa qui te gagne dans les circonstances que t'as arrêté. Juge là, je jugeais que lui pas fin convaincu totalement pour qui raison que groupe là, t'es gen zam nan même. T'es gen deux membres groupe là, t'es gen zam sou yo. T'es gen policier, t'es gen zam de règlement ni, zam institutionnel li, et puis t'es gen yon l'autre membre du groupe qui t'es gen zam ni avec tout permis de port d'âme. Donc, c'est sous question d'âme, ça y est, que jugeant lui-même, il n'a pas fini le bagage trop clair, malgré qu'est-ce qui était mené. Donc, il préférait voyer en résidence surveillée, en attendant d'autres enquêtes ou bien d'autres données, viennent permettre une repiquer sur le dossier, ça à partir. Mais qui compte vous assigner la résidence? Est-ce que c'est un hôtel ou bien un appartement quelconque? Comme des questions lieu de l'État dominicain, et parce que même pourquoi le visiter en lieu là, mais l'État lui-même, il vient probablement des appartements pour ce genre de cas, mais de toute façon, il n'y a pas non lieu de détention, comme il était le cas jusqu'à l'audience d'hier. Donc, il y a non lieu côté plus confortable, nous pas dire plus confortable, mais il y a quand même privé de certains mouvements, il n'y a pas qu'à sortir et le lever. Donc, il faut bien certaines autorisations. Est-ce que c'est lui-même qui a bien pour payer, est-ce pas ça? Nous, pour qu'on ait une réponse définitive sur lui. Parce que comme fondation lui-même, il était là pour l'assister, c'est ce compatriote qui est en difficulté. J'en nous fait le tout pour d'autres compatriotes, soit ici, soit en République dominicaine. Ancien magistrat a demandé asile politique. Est-ce qu'on a mesure pour confirmer que le demandé? Lui est déclaré dès son arrivée que lui vit en danger en Haïti. Et l'autorité dominicaine nous prend note de ça. Mais il faut pas formaliser le demande d'asile là. En même temps, il faut dire que il est toujours dans le délai. Mon délai de 15 jours pour le faire. Avec assistance de l'avocat lui. Donc le dessus de faire, il a fait par devant les organismes compétents de la République dominicaine. De toute façon, organismes sérieux, il y a déjà au courant de cas, hein, par exemple, on a parlé là de la CONARE, la Commission nationale pour les réfugiés, et puis qui ont pris de contact tout avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Est-ce qu'il y a un risque dans le dossier ça pour yota retourner au Bercail? Non, pas un risque ça, même encore. Il est totalement nul, vu que dans le droit international, immédiatement, mon dit que ville en danger, c'est extrêmement c'est impossible pour yota retourner yo vers le territoire côté dit que ville en danger. Jodi, gouvernement démenti. Et puis, vous j'étais bien loin. Parole des graines gauche qui t'a voulu faire quoi? L'État haïtien m'a dit concours soldats dominicains pour venir aider, libérer deux ressortissants dominicains qui victimes de kidnapping en Haïti. Cependant, n'a précisé autorité dominicaine yo t'a demandé ça, mais gouvernement haïtien refusé catégoriquement. Faut que nous dit gen bon gens collaboration. Ak échange entre deux gouvernements yo qui toujours gen bon rapport travail sous divers dossiers. C'est même tête ensemble ça qui gagne dans traitement dossier qui concernait zak kidnapping ça. Yon l'autre pas. Gouvernement annoncé li fait demande formelle bon côté gouvernement dominicain pour retourner en Haïti citoyen Youri Chevry qui gen rapport serré ak individu ak zam kap simen la trouble nan peyi a sou base bon Jean Preve direction centrale police judiciaire DCPJ documenté. Peuple haïtien gen droit konnen ki es ki implike nan kont maltaye pou fè l kriye tout an yon fason tout pou la justice fè travay li. Nan sans sa gouvernement konté sous collaboration à compréhension autorité dominicaine yo. Pour finir, n'a pas rappelé date référendum nan qui était prévu pour 25 avril reporté pour dimanche 27 juin 2021. Décision ça prend après recommandation UNOPS
ak NUD, partenaire international gouvernement ak KEPA, qui rappelait y a besoin 20 semaines pour recevoir et puis distribuer matériel électoral dans tout pays. Qui donc autorité haïtienne yo si tout conseil électoral là obligé reporter date référendum nan jou sa peuple haïtien pral gen occasion di livle yon lot constitution qui a garanti plus équilibre dans l'état et puis fwa sa k'ap permet tout moun ladan ni la jeunesse ni diaspora tout moun ap ladan nou wè au moins à deux reprises gen moun ki pran caoutchouc tout l'humain pour fourrer en dan tête yon policier. Ça li inacceptable et nous tout teuel. C'est dans sens ça gouvernement a mandé nous même travailler la pression, rete veatif, toujours voyager yon sous l'autre en façon les actes ça arriver rapidement pour identifier individu qui fait là. Gouvernement continue garantir un bon climat pour tout journaliste rive fait travail sans problème. La police déjà recevoir bon gens instruction dans niveau ça pour pas prendre un dans intimidation. Deux, protéger toute population, notamment journalistes. Nous tous connaissons qu'ils font bon travail pour la population, non situation en pile fois qui est difficile. Mais mesdames, mademoiselles et messieurs, nous saluons toutes journalistes en ligne qui fait un travail sérieux. Parce que avant, il y a un paquet de gros politiciens dans le pays qui étaient capables nous, Zanana pour Cizan, mais de nos jours, n'importe qui côté, il y a une conférence, un jeune garçon et une jeune femme qui a couvert pour que nous capables de bien en bataille pour nous qui est ce qui est pour Haïti et qui est ce qui est Haïti, qui est ce qui est sous blanc. Qui est-ce qui pour peuple vrai. Donc en ce sens son belle initiative mais m'a dit si monsieur Damio fait respect nous, gè respect yon pour l'autre, gè respect pour la police et gè respect pour propre tête pa nous. De pour respecter tête tout, eh bien moun a gagné respect pour parce que la presse pa ka non bataille tout temps ensemble avec la police. Donc ça qu'arrivé ou gagné ti parti pa ou gè moun pa ou a supporter mais là que c'est la presse ou a fait et bien la presse là même c'est même genre avec la justice, li pa de penchon bon depuis nan bataille là ou qui koto campé. Donc en ce sens, genre de action ça il faut que nous quitter parce que la police lui-même, li son institution qui pour pays a qui là pour protéger et servir et la presse lui-même li là pour bail information sur tout le monde en dedans pays a sans force côté, sans parti pris. Mesdames, mademoiselles et messieurs, journée jodi a même eh bien secteur protestant te réuni pour di 28 février yo pral foule béton, yo pral di abat Satan, yo pral marcher sous Jovenel, yo pral pilonner diable. C'est pilonner, ma pilonner. Et c'est vrai. Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, secteur protestant déclaré. Yo bouke, on pays pas cap diriger sans parlement. Yo pays pas cap diriger à décret. Donc fuck président Jovenel, dégagez le pressé, rachez-moi yo clip baïtea, quittez palais national. Mais nous coquins. Oui, nous coquins. Ça que fait m'kadi nous coquins, c'est parce que si ou dit pays a pas cap diriger à décret, ça c'est un. Pays a pas cap diriger sans parlement, ça c'est deux. Pour que parlement, ça que vous faites s'il vous plaît, élection. Pour pays a pas diriger par décret, ça qui vous faites c'est élection. Donc pas qui porte à sortir de là. En ce sens, secteur protestant, est-ce qu'on sérieux dans ça wap dia? Donc est-ce que c'est inventer un parlement ou bien son loi nous pral prendre à fourré pour que nous capable di que parlement kounyan ka diriger les transitions de rupture la passé. C'est ça comme c'est ça nous voulons. Est-ce que les transitions de rupture là lui-même s'il t'a arrivé monter l'elle pral diriger, c'est pas décret l'a diriger. Est-ce que ça lui-même li écrit tout dans constitution? Donc faut que nous pas baïe tête nous menti. Faut que mes amis pour l'histoire et pour la vérité nous font bagay qui honnête pour pays. Et journée jodi a nan état pays d'Haïti a l'église lui-même li là dans tout parce que comment t'es ka comprendre pour un monde pour dire pour le faire 40 jours 40 nuits ab gêné li pa pas le travail tout journée rete là dans pièce yé et puis koul fini l'almandé le pa ka manger pour dim petite bon dieu pa konn pauvre et puis lokembe yo kon ça ou fait 40 jours 40 nuits yo pote l'argent ba ou et puis yo même yo pa jam ka jwenn un travail. Donc
Ça veut dire ou contribuer dans l'avancement pays ya, moun sa yo paye taxe, non pas ou pas contribuer là-dedans. Donc tout c'est tout genre de système ça yo qui met Haïti dans salier ya. Aux États-Unis, quand on moun ka prend ton prend son poil passer 7 jours, 7 nuits à prier dans l'église. Ou ka toujours prier mais pas ou fait 7 jours, 7 nuits à prier on seul côté ba jam déplacer, et bien l'autre tourner la caillou qu'on est gon bill captain nous. Mais dans pays d'Haïti nous tellement gain temps et n'a petit peuple prier passer nous. Oh, c'est pour la prière nous. La prière, m'a kon si nous bien la prière parce que moi toujours dans moun leur grand goût pas prier ya yeah. Leur grand goût pas prier bon Jean leur wal contre l'Éternel rapidement le répond nous ya yeah. Rapidement faut le répond nous leur pral contre papa bon Dieu faut senti bon parce que bon Dieu son bon Dieu senti bon leur pral la prière ouais ça me dit là faut pi clean faut pi propre parce que bon Dieu son bon Dieu qui propre bon Dieu pas prendre moun sale bon côté comment tu ka comprendre pour n'a chanter en français pour n'a et l'isomne en français et puis prière en créole, nous stupides. Comme dans Bodje Baye langue, donc Bodje comprend toute langue. En ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien c'est ça pour secteur protestant lui-même lui déclaré, et bien 28 février cap vini là, sous jou, cap mon vampire! Nous comptons si parole ça, qui est-ce qui compte dit? Donc en ce sens, moun qui sous réseau social yo, Haïtien qui rete nan silence, kap gade, ki vale moun kap fe makak, yeme yo djou, se sintoma ke yo ye, se le yo we, yo akwe. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est décision ça, eh bien, justice pays apprend, et non seulement ça, tout gouvernement mande, c'est domen tap souple, voyez qu'il paye al toune pour nous, pour nous vin juger. Et non seulement ça, tout, 28 février, kap vini la, nenel kasige pour al répondre question la justice, parce que, semblait que li impliqué dans un paquet dossier louche dans pays d'Haïti. Rete là, pas déplacé. Gros nouvelle. Mon ami, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là capable avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizère depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique en Washington. C'est un plaisir, yon l'autre fois encore avec vous pour nous présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Aujourd'hui, c'est mercredi 24 février 2021. Ici, aux États-Unis, yon gros décision, yon juge dans Texas prend pour lui casser décision que président Joe Biden te prend pour pas gagner déportation pendant 100 jours. N'a pas gagné détail, pita dans le journal là. Avec Sandra et le maire. Et puis, dans le pays d'Haïti, dernière intervention chef de l'État, Jovenel Moïse, fait dans le Conseil de sécurité Nations Unies, soit lundi 22 février passé, a continué à soulever contradiction dans la société haïtienne. Un reportage, Massado Vilmé, depuis Port-au-Prince. Le responsable parti politique émergence patriotique, là, René Civil, dit président Jovenel Moïse, il n'y a pas aucune légitimité et droit pour parler dans nos nations haïtiennes. Il y a un gros doute. Je ne comprends pas comment le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a des grandes puissances, des pays civilisés, des pays qui respectent la loi et la démocratie, a permettre d'oser recevoir un ancien président. Un ancien président, ce n'est pas n'importe quel ancien président, non? Un ancien président qui crase le pouvoir judiciaire à la Kaili, qui crase le pouvoir législatif à la Kaili, un ancien président qui fait tout ça qu'on est dans la manœuvre de corruption, la quise par même institution, l'État dans le pays, la Kaili. Si ce n'est pas pour de vin qui fait rencontre ça à faire, eh bien, ou bien Conseil de l'ONU, sécurité de l'ONU, a cherché un bagaille, il a besoin de comprendre dans le Jovenel Moïse. Parce que Jovenel n'a aucune capacité, aucune logique qui a défendu le pays ici, aucun côté. Que souvent, des gangs se déguisent en manifestants et journalistes pour attaquer nos policiers en service. Devant Excellent Gassila, chef d'État fait devant Conseil de sécurité Nations Unies, dirigeant parti politique là, René Civil, avec quelques responsables organisations politiques proches opposition, quoi déclaration ça, c'est une menace pour la démocratie pays. Le président de la République, campé dans l'ONU, et tout le monde connaît ça, la presse représentée dans le monde. Et en Haïti, nous avons un paquet de jeunes garçons, jeunes femmes, avec des journalistes seniors qui bataillent pour la démocratie, ou qualifier de gang. C'est inacceptable. Moi-même, en tant que militant politique, dirigeant politique, je ne veux pas qualifier de gang. Parce que lui dit tout le monde qui a manifesté pour la démocratie, tout le monde qui a manifesté pour les droits, tout le monde qui a manifesté contre la corruption, qui dit des militants ou des journalistes qui permettent l'information à travers ces gangs.
Je crois que Jovenel menti sur toute la ligne. Fausse déclaration ça, il visait à mettre en péril. Fausse déclaration ça, que ex-président Jovenel Moïse fait, il visait à mettre en danger la vie de chaque journaliste donc cap exercer profession yo dans la rue. Parce que nous pas oublier que pendant dernier moment ça yo journalistes c'est véritable cible et bien police politique qui gagne en tête li militant politique là nous voulons parler de Léon Charles à plusieurs reprises gagne plus journalistes qui victime soit des balles réelles et balles caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Jovenel Moïse pas gagne aucune provision légale li capoter pour peuple haïtien. Je dis à son président qui gagne piment dans bouche li qu'a parlé pour parler comme on t'a pensé. Jovenel Moïse campé dans micro pour dire que conseil de monde qui habillé qui propose la presse c'est gang yoyé. Je dis à côté qu'elle passer l'ordre avec la police avec bandi légal lio définitivement pour tuer la presse. Quand la presse menacée, nous dit c'est démocratie à tout qui menacé. Dans un tweet li fait dans même journal lundi, président Jovenel Moïse quoi, si un monde a défendre démocratie pays, li doit soumettre à toute demande yo tant que za fait élection qui c'est une des règles fondamentales démocratie pays a. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massado Vilmé, nous gain Massado Vilmé soulignant et déclaration ça assemblée Massado fait en pile soulever en pile protestation bon côté journaliste et bon côté association média autour Massado. Justement Jacques Belizer gagné association journaliste haïtien au AGH gagné SEMEL qui est collectif des médias en ligne gagné tout et gagné tout solidarité des femmes haïtiennes journalistes au PEJ yo même qui dit indigné yo choqué et devant déclaration ça que président Jovenel Moïse lui-même il fait et dans conseil des Nations Unies et lundi passé. Donc, pas oublier dans dernier jour ça y a un pile journaliste qui victime pendant qu'il a couvri une série de manifestations qui a déroulé contre le pouvoir en place là. Eh bien, association médias ça y a qui me sorti que bah ou là tout, y a mettait devant différents ou bien plusieurs autres journalistes qui perdent la vie sous administration Jovenel Moïse, nous capable citer Roskid Pétion, gagnant Vladimir Daniel, gagnant tout Néhémie Joseph qui perd la vie et jusqu'à présent qui pourront capable de justice. Donc il y aurait quoi que c'est une déclaration qui capable de mettre travail en danger, qui capable de mettre qui capable fragiliser et fragiliser métier journaliste là. Et Massado Vilmé, dans le cadre de mobilisation, t'as semblé que gagnant il y a un gros match qui est annoncé pour 28 Capvin là et nous secteur protestant parmi et avant-gardistes. Justement, nous avons tout ça, c'est sous l'initiative secteur protestant. Eh bien, il y a une manifestation qui est annoncée pour 28 février qui est venu là. Eh bien, il y a plusieurs secteurs qui ont déjà pris part de manifestation. C'est là, il y a une organisation politique qui ont déjà dit qu'il a participé dans la manifestation. Ça, c'est une manifestation qui va le faire contre la dictature. C'est une manifestation qui va le faire pour demander Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse, remettre clé par l'air. Eh bien, nous autres, nous avons gagné l'idée. Et mouvement troisième voie, qui c'est Reginald Boulos, lui-même tout qui demandait avec un secteur privé, qui c'est un secteur qui beaucoup dit rien sous et crise politique là, et bien lui demandait lui-même tout pour dire un bagage, pour prendre la route, pour rejoindre et différents secteurs qui doivent manifester dimanche et 28 février quand venir là. Mais toutefois, Jacques Belizer nous doit dire que ancien et sénateur Nipla, on a parlé de sénateur Nenel Kassi, eh ben lui-même lui est invité dans direction centrale police judiciaire de CPJ vendredi qui vient là toujours sous ça qui vient pour ensemble avec l'amour homme d'affaires et nous voulons parler de Jacques-Pierre Matilis qui était perdu la ville et 3 février passé. Et Massado, un dernier mot brièvement, est-ce que ou ka di nou bay sou colombien qui entré en Haïti hein? Justement, il y a une délégation de police colombienne qui vient dans le pays d'Haïti. C'est pour capable, nous tous, c'est sous initiative
comment les associations satellites, c'est une initiative bureau affaires internationales supérieures à renforcement que une délégation police colombienne est même arrivée dans le pays. C'était lundi 23 février. Eh bien, délégation ça a été accueillie par chef police à Monsieur Léon Charles, gain pour mission pour renforcer eh bien unité qui travaille dans la police nationale Paboïs, la unité qui travaille tout ça qui est pour eux, ensemble avec enlèvement et kidnapping, tout ça. Mais pas oublier Jacques Belizère, question kidnapping, non. L'irrité est une question qui mettait vraiment population haïtienne, non. Qui mettait la population haïtienne dans la veille, parfois, qui mettait dans gros doute, qui permet de ne pas avancer vraiment vrai avec l'activité. Donc, en plus, le monde était quoi que les délégations, ça, ou bien mission, ça, ça va renforcer vraiment la sécurité Paboïs. Merci Massado. Massado Vilme, c'est correspondant service de la Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince pour dernière nouvelle concernant capitale là et pays d'Haïti. Et l'autre point dans l'actualité concernant pays d'Haïti, divers membres dans la société civile là, à représentant dans le gouvernement, a brassé l'idée sous projet nouvelle constitution dans Port-au-Prince sous l'obédience au Fils protection du citoyen. Yo reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Assise multisectorielle sous nouveau projet constitution a déroulé comme ça droit dans Port-au-Prince. Protecteur citoyen Renan Edouville bat bravo pendant le déploré menace bon côté individu sans foi ni loi pour débouler hôtel côté activité ça a été prévu organisé auparavant. Mais des menaces directes ont été exercées sur l'administration de l'hôtel en violation du droit à l'investissement privé et on a dû annuler la réservation. C'est bien dommage. Des menaces, comme on le sait, ont été aussi lancées à l'endroit de l'OPC. Mais en dépit de tout, nous sommes là. Pendant la journée mardi et mercredi 24 février, dans le local OPC, dans l'ALU, participants yo brasser l'idée sous projet nouvelle constitution vérifier s'il conforme avec l'esprit constitution 1987 amendée selon Renan Edouville. Au cours de ces deux journées que nous allons passer ensemble, nous allons justement en toute liberté, de manière démocratique, de manière académique, de manière purement classique, discuter sur le document qui a été préparé par le comité consultatif indépendant. Ministre qui est responsable citoyenneté et patriotisme, félicité intégration diaspora et monde handicapé dans la draft nouvelle constitution. Guy André Junior François fait connaître changement sa marque avec vision administration Jovenel Joutlan qui passe suspend selon Saldi plaider pour catégorie sociale ça yo participer dans gestion pays. Avec cet avant-projet, je vois l'inclusion des femmes, je vois l'inclusion des jeunes 25 ans pour occuper, pour être député par exemple, et aussi j'invite les membres du comité consultatif à travailler avec tous les secteurs. Et j'aime bien le slogan faut tout on la donne. N'a pas rappelé depuis annonce déroulement assise sous nouvelle constitution, acteur dans opposition à quand même dans société civile émettre en pile critique contre OPC qui selon eux-mêmes embrasser un projet cap exécuté en dehors la loi. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Réaction yon leader dans société civile là, Joseph Domingue Orgela, qui était gain représentant dans assise deux jours Office protection citoyen organisé sous projet changement constitution, saluer décision président Jovenel Moïse prend qui reporter date référendum nan pour 27 juin 2021 monsieur Orgela. J'ai annoncé constitution ça référendum a fait sous constitution ça le 25 avril. Bon, décision gouvernementale nous est sorti qui dit c'est 27 juin. Nous dit bravo. Parce que ça a permis plus de discussions faites sur le document, plus de secteurs a été approprié le document, et ensemble de ça d'après les 15% qui manquaient par rapport à la revendication de toute population, la été rentré dans la constitution pour permettre la constitution. Ça, c'est une constitution qui est vraiment faite pour tout haïtien.
quel que soit côté à vivre sous terre. Nous même dans SEDEC, nous restons ouverts parce que nous disons que toute population mobilisée, même si nous avons grand pile monde qui dit que ce n'est pas le moment, nous même nous pensons que c'est le plus bon moment pour que ça fait, parce que la Constitution 87 a dit que c'est le Parlement qui doit faire proposition d'amendement, et bien là, par rapport à pouvoir Parlement, ça a gagné. Après cette législature, nous dit Parlement ça, puisque je dis à qu'on dysfonctionnement des institutions ça, et population qui c'est lui-même qui met pouvoir, lui qui doit décider et faut que les décider by tête lui, une autre constitution, une constitution ça, cap revenir avec une autre système politique côté effectivement qu'a venir gagner un président qui est responsable, un vice-président qui accompagne elle. Et au Parlement qui était dans le rôle pouvoir législatif, qui c'est pouvoir de contrôle. Et l'autre institution de contrôle, par exemple la Cour des comptes, ULCC, UCREF, faut ces constitutions qui définit mécanisme pour moun entrer là-dedans, ce n'est pas exécutif qui pourra nommer moun. Nous dit ça, la permettre de combattre la corruption. Et tout ça, c'est notre discussion qu'a fait ensemble secteur, au lieu de nous retenir goumen, nan di pas qu'à gagner constitution, en nous chita réfléchi pour nous, effectivement, constitution ça, pas fait pour un petit groupe de monde, mais le fait pour tout Haïtien. Joseph Domingue Orgela, c'est un membre de société civile là, dans le pays d'Haïti ou sous la voie de l'Amérique, on peut mettre depuis Washington DC, on peut dire qu'on est capable de suivre nous sur plusieurs plateformes, notamment sur Facebook, VOA Nouvelle, on est capable de suivre nous sur Twitter, Instagram, Instagram VOA Créole, et puis on est capable de suivre nous tous sur VOA Nouvelle. Et puis, tant qu'on te dit le commencement programme, nan, et on juge dans Texas pour une grosse décision, côté que on était en président Joe Biden, dans le début, l'effet prend pouvoir, te dit que pendant 100 jours, pas de déportation, et on juge qui prend une décision contraire, et ceci définitivement. Sandra et le maire, dis-nous plus non sous question ça. Bonsoir, Jacqueline, bonsoir tout le monde. Donc, justement, c'est un juge fédéral américain qui bloquait indéfiniment, donc jusqu'à nouvel ordre, une mesure que l'administration Biden te prend et côté que lui mandé pour y faire une campagne pour gagner un moratoire 100 jours dans plus fort déportation. Yo. Donc, juge Drew Tipton t'a accordé une demande que l'État Texas t'a fait pour empêcher moratoire entrer en application parce que d'après lui-même, il viole les lois fédérales et puis risque coûter l'État Texas un paquet d'argent. Donc, là, il a expliqué que le président Biden a proposé moratoire 100 jours ça dans déportation yo pour pendant que l'État menait campagne, il était parlé de ça et dans le cadre au projet que il gagnait pour lui réviser loi immigration prédécesseur li, et Donald Trump t'est adopté. Et il était voulait tout renverser quelques décisions que l'administration Trump l'a prend sur affaire immigration. Donc c'est comme ça que le président Biden t'est proposé un projet de loi immigration qui t'a permettre pour une affaire de 11 millions de monde qui vivent aux États-Unis illégalement pour y joindre résidence légale. Et puis, il proposait tout quelques autres règlements par rapport avec qui est agent immigration, yo, avec agent frontière, yo, en tant que visé, là, il a décidé qui est qui a quitté, entré aux États-Unis, qui est qui a déporté. Donc, juge Tipton, faut nous dire, c'est un juge que président Trump t'a nommé. Et il prend une première décision, soit à faire moratoire, ça, le 26 janvier, côté il était bloqué. Décision parce que il a dit que le gouvernement, donc l'administration Biden, n'a pas montré une façon adéquate pour que ça, une pause dans la déportation, ait été justifiée. Donc, l'ordre temporaire, ça, que l'été prend le 26 janvier, supposé expirer mardi. Donc, jeudi, décision jeudi,
étant décision ça. Donc pour qu'on y a, nous pour qu'on ait Jacqueline, si gouvernement Biden n'a pas contesté décision, donc n'a prétend pour ouais. Donc et nous te chercher réaction bien entendu sous ça parce que ça pourrait affecter haïtiens qui en pile haïtiens qui a essayé rester aux États-Unis qui peut-être a vécu aux États-Unis illégalement. Donc nous contacter ambassadeur haïtien aux États-Unis Bokchi Edmond pour réactionner à nouvelle ça. Mais ça lui dit nous apprécier fort administration Biden en fait pour gagner un mur à 300 jours sous déportation. Yo. Pendant nous respecter dernière décision juge fédéral là sur question, nous espérer administration Biden avec assistance Congrès américain va joindre une solution finale pour problème ça qui est très sensible et qui affecte en pile haïtien. Faut que considérer impact humain décision ça. Donc ça c'est réaction et ambassadeur Bokchi Edmond Jacqueline. Oui, et Sandra, dans l'autre nouvelle encore, dans l'autre réaction, nous connaissons que l'ambassade américaine Guélé a sorti encore l'autre réaction par rapport à gouvernement ou bien administration Jovenel Moïse. Là. Justement, donc il a frappé très bonheur sur un réseau social, sur Twitter, ambassade américaine, non, côté que les retweets au message en mis. Mission États-Unis, non Nations Unies, qui c'est un paragraphe de message ambassadeur Jeffrey De Laurentiis t'a fait devant Conseil de sécurité l'ONU, hein, l'ONU, hein, le réuni sur Haïti. Donc, message ça, c'était que faut que le gouvernement haïtien mette fin dans une période dirigée par des créas. C'est seulement un gouvernement qui est stable, démocratique et représentatif qui peut résoudre comme ça doit problème tant que violence, corruption et abus qui a fait contre droit civique avec droit monde. Ensuite, l'ambassade des États-Unis est lagué sous compte li tout. Un tweet que Julie Chang fait. Julie Chang, c'est un employé département d'État américain. C'est secrétaire d'État adjoint à I. Pour affaire qui a un rapport avec l'hémisphère occidental. Là. Julie Chang dit c'est responsabilité gouvernement Haïti pour créer une atmosphère adéquate pour élection qui libre à connaître qu'a déroulé en 2021. Les États-Unis pour décoller avec communauté internationale là, pour lancer appel à acteurs politiques pour joindre une façon pour coller tête ensemble pour joindre une solution pour impasse politique. Là. Donc, partie ça tout ça Julie Chang voyait sur Twitter ni te fait partie message ambassadeur américain Jeffrey De Laurentiis devant Conseil de sécurité l'ONU. Ambassade américaine dans les mêmes dans tweet pas les dit États-Unis étaient concernés par création nouveau institution l'État qui gain la donne agence nationale intelligence là qui t'a posé plus risque pour droit fondamental à responsabilité en Haïti. Et puis, il est tout collé une photo de arrêté 26 novembre qui était créé à Jansa. Merci Sandra. Sandra Lemaire, c'est journaliste et éditeur dans Salle des Nouvelles La Voix de l'Amérique qui t'est poté pour nous. Information touche au ça, notamment juge fédéral de l'État Texas qui campait indéfiniment jusqu'à ce que tu as gagné un appel qui t'a fait. Et sous décision que l'administration Joe Biden a été prise pour pendant 100 jours pour pas de gain déportation, nous voyons qu'il y a plusieurs déportations qui faites en direction d'Haïti. Il était pris décision ça le 26 janvier et jeudi encore, il fait même bagaille là, mais cette fois-ci qui gagne plus force. Et Sandra Tebanoutou, dernière réaction, gouvernement américain, que ce soit pas ambassade américaine, que ce soit pas Julie Chang, sous situation dans le pays d'Haïti ou sous la Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC, mais on annonce service public, la Voix de l'Amérique. Masque moi, protégez-vous. Masque ou protégez-vous. En nous yon protégez l'autre. On fait coucou rouge derrière coronavirus là qui continue à faire des gains dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettez-vous, veillez-vous.
Oui, la voix de l'Amérique permet depuis Washington DC actualité à non ici aux États-Unis après ils ont annoncé service public la voix de l'Amérique pour la première fois depuis 6 janvier 2021 c'est nan américain tendait des positions sous manque sécurité qui était facilité fanatique président Donald Trump yo envahi Congrès et la fait un paquet zak violence Jean-Robert Philippe et Abdi nous plus sous question Jean-Robert. Vraiment, effectivement, Jacqueline, c'est avec étonnement, avec un pile étonnement parlementaire, les sénateurs américains ont été en dépôt, séance déposition, responsable sécurité replacé, était supposé, qui était supposé sécuriser, congrès à 6 janvier 2021, pendant manifestation, supportait ancien président Donald Trump, qui a fait devant congrès, à toute autorité qui était défilée devant commission Sénat, bien, il était reconnaître. C'est un gros faille dans le système de sécurité qui est supposé garantir sécurité pendant la journée ça. C'est à la période de journée 6 janvier 2021. Parlementaire américain attendait pour la première fois officiel de sécurité au placé sous faille qui était gagné dans le Congrès après supporter l'ancien président Donald Trump qui a attaqué le Capitole là 6 janvier passé. Responsable sécurité au placé a déclaré yo pas préparé assez pour te face avec assaillant yo. We properly planned for a mass demonstration with possible Stevenson, ancien chef police Capitole là, déclaré nous t'ai planifié pour une manifestation de masse avec violence possible. Mais force de l'ordre t'ai fait face plutôt avec une attaque militaire coordonnée avant manifestants ont utilisé violence pour te prendre contrôle parlement. Congrès américain gagne propre agence sécurité PAL qui gagne un budget $516 million et selon responsable yo il était consulté la police dans Washington DC avec autorité fédérale avant manifestation supporter ancien président Trump yo était organisé devant Congrès pour empêcher certification Joe Biden comme vainqueur élection présidentielle novembre nan. Everyone was very satisfied that we had Paul Irving, ancien responsable sécurité chambre députée, a parlé pour dire tout le monde était satisfait que nous avons mis en place un système sécurité JAM qui te répond avec exigence renseignement nous avons gagné dans le moment. Stevenson, ancien chef de police Capitole, a déclaré par les parlementaires préparatifs étaient capables de différents. S'il était au courant, avertissement FBI était le 5 janvier, donc la veille manifestation, sous possibilité de gros menaces violence pendant la manifestation. How can you not get that vital intelligence on the eve of what's going to be in a major event? Sénateur démocrate Gary Peters a demandé ancien responsable là qui j'en ont fait rater renseignement important ça la veille une grosse manifestation comme ça. Stevenson te répond. That's something we need to look at. What's the process and how do we streamline that information getting to where it needs c'est to go? C'est un bagage nous besoin vérifier qui j'en processus là et qui façon pour assurer que l'information arrive côté de rivière. L'hypercle clair sous raison qui explique réticence qui te gagne pour te déployer garde nationale là comme renfort dans le Capitole là. I was surprised at the reluctance to immediately send the National Guard, chef police intérimaire, département police métropolitain Washington DCA, parler pour dire moins te surprendre réticence qui te gagné pour te déployer garde nationale là dans Capitole là. Autorité a accusé plus passé 250 monde pour participation dans le rampé. Responsable place sécurité yo d'accord attaque dans Congrès a été clairement planifié et coordonné à l'avance. Chef police intérimaire, département police métropolitaine Washington DCA, Robert J. Conte 3, parle pour dire plusieurs monde dans la manifestation ont une radio communication dans main. Le fait que plusieurs participants ont été coordonnés pour utiliser produits chimiques, certainement moins quoi que ces signes qui montrent attaque là été coordonnée. Déposition mardi 23 février a marqué commencement enquête qu'a faite sous pire mauvais faille sécurité qui jamais existé depuis 200 ans Congrès. Officiel lieu dans le Pentagone, donc le département de défense américain, a fait déposition par la semaine prochaine sur l'attaque qui est faite dans le Congrès le 6 janvier 2021. Dans l'autre nouvelle, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prononcé un discours sous vidéo devant membre du Conseil droit des Nations Unies, côté de réaffirmer l'engagement Washington pour faire pression pour protection universelle et promotion des droits. M. Blinken déclarait les États-Unis à chercher retourner dans le Conseil droit des Nations Unies les vagues élections pita nanéa. Officiel américain précisé dans le discours ça, jeudi mercredi 24 février 2021, nous demander humblement soutien tout membre de l'ONU dans la démarche n'a fait pour retourner joindre un siège dans l'organe ça.
gen 47 sièges, 47 membres dans le Conseil droits de l'homme l'ONU et durée mandat c'est 3 ans. Chef diplomatie américaine a précisé États-Unis ta remet occupé yon siège sorti 2022 pour arriver 2024. À l'étranger, situation a toujours été compliquée dans Birmanie, voisin pays a déployé efforts pour si crise ça ta joindre une solution après coup d'état la mer qui déchouqué un gouvernement civil élu. D'après une source qui sorti dans pays Thaïlande, ministre affaires étrangères junte militaire birmanien Wuna Mang Luen trouvé dans Bangkok jodi a pour parler avec premier ministre thaïlandais et Parut Chang Ocha avec ministre affaires étrangères Don Pramud Winai. Pendant ce temps, il y a une manifestation qui a déroulé devant l'ambassade indonésienne et manifestants ont demandé pour l'Indonésie respecter le résultat de l'élection de novembre 2020 dans Birmanie que la Ligue nationale là avec Aung San Suu Kyi a remporté avec une grosse victoire. Et puis ici aux États-Unis, la police a cherché qu'on est jeudi mercredi qui s'est poussé célèbre joueur golf Tiger Woods quitter Woodley dans Californie pour lui faire une collision avec un pied bois et plonger dans une colline. Côté célèbre joueur golf là blessé gravement hier mardi. C'est une équipe pompier qui t'a retiré Tiger Woods dans machine grâce à qui un appareil spécial côté que li subi en pile dommage machine a subi en pile dommage. D'après un shérif dans zone là, c'est bon Dieu qui sauve Tiger Woods pour le pas mourir monsieur qui gagne 45 ans. Yo te mené Tiger Woods dans centre médical qui est à bord UCLA. Superstar golf là qui blessé plusieurs côtés dans jambe droite li subi yon gros et long intervention chirurgicale jusqu'à présent santé li stable. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Labelizer, à demain. Merci parce que t'as suivi avec attention très journal ça et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci pour like ou yo, merci pour commenter ou yo, merci pour partager, ça fait nous plaisir en pile. Moi pralé, m'a kito non bra papa bonje parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Non pas monsieur Foucault. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir. M'ramasser paquet moi. Cause habitant pas misé la ville. M'pralé. Mais m'a kito n'a bra papa bonje parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.